Bonjour à tous et re-bienvenue dans le Let's Play de Day of the Tentacle. Alors aujourd'hui on va s'occuper de terminer justement ce Let's Play. Donc ce sera bien évidemment par conséquent pardon la dernière partie. C'est un peu bébête ce que je commence à dire, bref ça commence bien. Alors ce qu'il nous reste à faire maintenant qu'on a qu'on a rallumé les générateurs, qu'on a rebranché les toilettes temporaires, il ne reste plus qu'à s'occuper de retrouver un diamant. Un vrai diamant pour que les machines refonctionnent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer à discuter avec le professeur, le docteur. Hey, Dr. Fred, we have to do something. What do you suggest, college boy? No diamond for the central unit, no power for the chronogons. A mutant monster of my own creation, roaming the countryside, taking over the world. It's a dark day for mad science. Why can't we just fix the time machine? It needs a whole new diamond. Now where am I going to get the money? How much could it possibly cost? $2 million! Ah, ça coûte très cher. So, hein. You've got money, don't you? Well, I didn't get all the money I expected from that TV show about us. We had to rent out our mansion as a hotel just to make ends meet. If only I had signed that contract in time. What contract? Well, after that incident where I was possessed by a meteor from outer space, somebody decided to make a show about us, but they didn't pay us anything. All we got was a cut of the video game. Wow, that thing made millions. Yes, I forgot to sign the royalty contract in time, though. I still have it in my safe upstairs. Voilà, donc bien évidemment, ce jeu vidéo, c'est Maniac Mansion. Donc on peut continuer à discuter avec lui. Mais en gros, maintenant, well, on a compris ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que là, il n'a pas signé le contrat d'exploitation, entre guillemets, de son image, tout ça, à temps. Et ce qui fait que... Bah, s'il l'avait fait, il serait très très riche. Donc, voilà, donc on va ouvrir le contrat est dans ce coffre. Le problème, c'est pour l'instant, on n'a pas le code. Donc, ce qu'on va devoir faire. Alors, je vais juste récupérer 2-3 petits trucs, je vous expliquerai juste après pourquoi je vais les récupérer. Enfin, vous allez comprendre tout seul. Donc, on va juste récupérer les deux cafetières ici. Donc, il y a une cafetière de. Décaféiné et une cafetière normale. Et de ce côté, on va couvrir, on ouvre le meuble et on récupère ici un entonnoir. I don't think I can pick that up. Bon, entonnoir. Voilà. Prendre le meuble, ça va être plus compliqué. Ok. C'est pas ça, c'est passé pour un héros. Hop. Donc maintenant qu'on a récupéré ça, alors je vous explique. Le docteur, ouais, de toute façon, oui, j'aurais dû continuer le dialogue avec lui, on va tout comprendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt terminer le dialogue avec lui, vous allez comprendre tout seul. Hey, Dr. Fred, let's go get the contract out of the safe and sign it. I forgot the combination, but that's so stupid, Dr. Fred. I know, it gives my enormous brain nightmares. Every night I dream about opening the safe, but I find something horrible inside and slam it shut, over and over again, night after night. Is that why you drink so much coffee? I haven't slept in 2 years. Voilà, well, donc là on comprend gotta go que... save the world. Good luck. Voilà, là on en comprend que le docteur Fred a fait des somnambules et que quand il dort, en fait, il rêve. Enfin, c'est pas vraiment qu'il est somnambule, mais quand il rêve, il va justement jusqu'au coffre et il l'ouvre. Donc, il va falloir l'endormir. Et pour ça, eh bien, vu qu'il boit tout le temps du café, normal, on va lui donner du déca. Et étant donné qu'il a pas dormi depuis 2 ans, ça risque d'être radical. Donc, on va utiliser le déca avec la tasse. Decaf wouldn't help there. Avec la tasse, pardon. On va utiliser, je sais pas quoi. Hop, voilà. I needed a little pick-me-up.
Voilà. Must hop. Open safe. Must sign contract. Must provide for family. Voilà, donc là on voit qu'il est complètement somnambule. Et si on remonte et qu'on va faire un tour ici, voilà, on peut voir qu'il s'occupe, qu'il va très vite et qu'il ouvre le coffre. Et là on voudrait, voilà, on peut essayer de le récupérer rapidement. Mais on n'a pas le temps. Voilà, donc c'est trop, enfin on n'a pas assez de temps. Donc aussi on peut voir qu'il y a une caméra qui filme justement le coffre. Et si on monte à l'étage, hop, et qu'on, enfin le deuxième étage pardon, enfin le deuxième ou le troisième, il faut vraiment si c'est un palier ou un étage ici, hop, là, on ouvre la porte, ici, on peut voir qu'il y a justement le, un écran. It's Dr. Fred's office. I can see the safe. I can almost make out the combination. It's get away from there. Darn. Voilà, elle, elle nous en empêche. On n'a pas le temps de le voir. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de la pousser. Mais, vous voyez qu'elle se retient avec la statue. Et nous, donc, on peut pas la dégager. Donc maintenant, si on prend Oggy et que l'on va. Hop. Alors, je vais juste aller récupérer un truc dans le bureau avant, enfin dans le labo avant. On va juste prendre ici le marteau pour gaucher. Vous allez comprendre pourquoi. Dans quelques secondes. Hey, that's a left-handed hammer, you know. I invented it myself. Le mec, il a inventé le marteau pour gaucher. Le truc complètement utile. Voilà, donc là il parle de ses fils. Apparemment, il y en a un qui est gaucher. Donc s'il y en a un, c'est qu'il y en a au moins un deuxième. Donc moi je le sais, mais en fait il a deux jumeaux, Ned et Jed. Un est droitier, l'autre est gaucher. Hop, et on va pouvoir remarquer, je vais juste vous montrer ici, que là c'est le gaucher puisque il a l'épée de la main gauche. Et donc si on va ici, vous allez remarquer que c'est la même pièce, hein, sauf qu'il y a deux temps différents. Question is, which one's stuffed and which one's the real McCoy? I assure you that we are both real, but we are neither one of us McCoys. We are Edisons, Ned and Jed. Who's who? Does it really matter? Even our dear father can't tell us apart. He only knows that one of us is left-handed while the other is right, but that neither of us are following in his tiny scientific footsteps. Hold still, Jed. So, I'm almost too frightened to ask, are you the marble delivery man or the model? Voilà, donc là on pourrait répondre, je vous jure que ce dialogue est assez très très drôle, mais on va le passer. Enfin, je vous laisse un petit peu la surprise si jamais vous décidez un jour de faire ce jeu, auquel je vous engage vraiment. Parce que j'essaye de pas trop vous montrer les dialogues, parce que c'est la partie la plus intéressante. Mais enfin, je sais pas trop si je devrais ou pas d'ailleurs. Mais voilà, je préfère vous laisser une petite part de surprise si jamais vous décidez de faire le jeu un jour. Donc vous voyez que lui est gaucher et donc il est en train de faire le modèle, et lui est droitier et est en train de faire la statue. Donc il est droitier, il utilise un marteau pour droitier. Donc si on inverse les deux, donc si on utilise le marteau pour gaucher avec le marteau pour droitier, hop, vous voyez ce qui se passe, hop, il loupe. Oh no. C'est débile, hein, ce gars, après il y a un qui ressemble à un marteau comme un marteau. Oh, where hath gone the muse that once guided my hand with such care? Must inspiration be so transitory? Must art be so cruel? Oops, voilà. I'm a failure. Don't say that, Ned. Father was right. We Edisons are made to be scientists, not artists. Dear brother, we must be strong in these times of creative adversity.
why don't you let me take over for a while? I'll clean this rubble up and start over. You relax. Have a cappuccino. Je suis pas sûr que le cappuccino existe à l'époque, enfin bon. Et donc voilà, les rôles se sont inversés. We switched places. I think you're coming out quite well. Et du coup, la statue s'est inversée. Donc maintenant, si on reprend Bernard et qu'on essaie de pousser, quoi, même pas qu'on essaie, c'est qu'on va pousser la nurse, eh bien, on va pas pouvoir se rattraper et elle dégage. Well, you know what they say. If you want to save the world, you gotta push a few old ladies down the stairs. Je suis pas vraiment certain que cette expression existe, mais enfin bon. Donc maintenant, si on regarde le moniteur, on peut voir qu'un des numéros est le 57. Et c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, il va trop vite et on voit pas tous les numéros. Donc ce qu'il faut faire pour pouvoir connaître les numéros, c'est enregistrer la scène grâce à l'aide de la caméra et de la passer au ralenti. Mais pour pouvoir faire ça, par exemple, c'est ici, il nous faut une cassette. Non, c'est pas ici, c'est notre là, là. Il nous faut une cassette, comme je disais, qui se trouve ici. Enfin, marquer un masque de Star Wars ici, quand même. Je viens de le repérer, je l'ai pas vu la première fois. Donc, ouais, c'est normal, c'est Lucas, hein, donc ils font un peu ce qu'ils veulent avec leur licence. Voilà. Et donc, si on utilise la cassette avec le magnéto, quand on regarde la scène en l'enregistrant, donc là ça n'a pas encore commencé, hein. L'enregistrement, voilà, là ça commence, on peut voir les numéros en bas à droite. Donc voilà. Dr. Fred Edison, Internal Revenue, come with us. We'd like to go over some of your records with you. Upstairs. Voilà. Donc maintenant, si on regarde la scène. The tapes at the end. Ouais, il faut la remodeler d'abord. Voilà. Et si on regarde la scène. Ouais, mince. Et donc là, on la regarde à vitesse normale. Donc, j'ai fait une erreur. Dr. Fred Edison, Internal Revenue. Voilà. Come with us. Donc maintenant qu'on connaît bien les dialogues, like vous allez repérer un petit truc aussi. Upstairs. C'est que la version slow motion en gros de la vidéo ne correspond pas à la réalité. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc là, on peut voir les numéros 101, 666, ah, 989, pardon, et 57. Voilà. Dr. Fred Edison, Internal Revenue, come with us. Voilà, donc on n'a pas toute la fin, mais maintenant au moins on connaît le code. Et donc si on descend, hop, il y a juste un truc à faire ici normalement, je crois. Voilà. Si on regarde la télé. This beautiful 4000 carat diamond can be yours today. Voilà, donc on voit qu'il y a une offre sur le téléachat en gros pour un diamant de 4000 carats, je sais pas vraiment si c'est possible. Donc 4000 carats pour 2 millions, enfin 1 999 999 dollars. Donc c'est à peu près le montant que nous avait dit le docteur. Donc maintenant si on va ici, hop, et qu'on ouvre le coffre. Let's see, it's 101-999-57. Hop là. Voilà. Donc on prend le contrat. Non, il va falloir qu'on le fasse signer. Donc aussi, si on peut voir qu'il y a un livre de compte en Suisse, donc on va le prendre, ça peut toujours servir. Hein. I don't think I can pick that up. Oui, bon, on peut pas le prendre pour le maintenant, mais on aura besoin tout à l'heure. Donc maintenant, on a besoin que le contrat soit signé. Et donc pour ça, il faut... Il est où ce qu'on a ? Ah oui, je suis bête.
Et donc là maintenant, le Dr. Fred, il est avec les agents du, des services de revenus. IRS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va, je vais vous montrer ce qui se passe. Fred, je vais vous montrer le déroulement de comment on comprend tout ça. C'est ce que je vous montre seulement la réponse, ça va pas être très clair. D'ailleurs, j'espère encore que vous entendez bien sous ma voix. Parce que j'ai tendance à parler pas assez fort. Parce que j'ai pas trop envie de déranger les voisins. Did you say you have a PP41 facilities paraphernalia declaration over there? Nope. Good thing we've got Dr. Fred under wraps in the next room, huh? Voilà, donc on voit all que les keep him busy. Les gars, I can't sont en train believe de faire what a mess comptes, these neat. Hey, you can't go in there. Good thing we've got voilà, Dr. Fred under wraps in the next room. Ils empêchent de rentrer là-dedans. All that donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour et on va passer par un moyen détourné. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, donc on va passer par la cheminée. Hop. Et on va rentrer par la fenêtre ici pour découvrir notre ami qui est ficelé plusieurs fois d'ailleurs. Il y a du ruban rouge et de la corde. Donc on va prendre la corde. Voilà, très très balèze Bernard. Mais c'est tout ce qu'on peut faire, hein, ça, on peut pas encore le libérer. Pour le libérer, enfin, si on pourrait essayer de le libérer, le truc c'est qu'il faut qu'il faut pas que ça dérange, que ça soit suspect pour les agents de les services de revenus. Donc il faut qu'on le remplace par quelque chose d'autre. Nah. Ok, voilà. Et si on passe la corde ici, et qu'on descend, et qu'on va faire un trou dehors. Hop hop hop. Quand même le mec il descend d'un coup, il a même pas mal. Enfin bref. Donc ici on peut voir qu'il y a le cousin Ted. Qui est lui aussi ficelé. Le problème c'est qu'il est ficelé en blanc. Donc on va devoir le peindre en rouge et la peinture rouge, elle est je crois cette époque. Je sais plus exactement où en revanche. C'est pas ici. Peut-être dans le labo tout simplement. J'en ai regardé dans les pièces. Non, pas ici. Ici. Non. Je sais plus du tout où est cette peinture rouge. Oh, bah, je l'ai sur moi, je suis bête. D'accord. Donc, donner la peinture à Bernard. Et Bernard, il va utiliser la peinture avec le coup de la tête. Voilà. Ted is red. See, red Ted. Voilà. Un petit jeu de mots. Donc maintenant on va utiliser la corde avec le cousin Ted. Hop. Et on va remonter pour le faire grimper. Hop. Et hop, maintenant on va tirer la corde. Très doucement, hein. En même temps, Bernard n'est pas le plus costaud, alors là, il est très rapide. En plus, c'est quand même balèze qui rentre directement dans la chambre. C'est là qu'on voit qu'on est très très fort. Donc maintenant, on va encore refaire le trajet. Hop. Voilà, on va rentrer ici. Et on va utiliser le cousin Ted avec le Dr. Fred. Le mec super sympa, on les dégage. Thought I heard something. Everything okay in there? Au poil. Well, try and keep it down, okay? Voilà. Ok, alors c'est les expressions. Bref, maintenant on va utiliser la corde avec le Dr. Fred. Hop. Et
I'd rather not. On va peut-être le faire d'en bas. Et on va faire ressortir le Dr. Fred. Voilà. De l'année. Invité à la Maison Blanche. C'est le début de la fin. Hop là. Et on va tirer la corde. I don't think that will do much good from here. Ah mince, c'était, j'ai fait utiliser en haut. Il faut tirer la corde. Merde. Qu'est-ce que je suis bête. Nah, I'm not gonna make that mistake again. Tu m'étonnes. Tu vas refaire une autre, c'est pas grave. Voilà, de toute façon, tu tombes quand même. Hop, et... Bim. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Ouf. Dr. Fred, are you okay? Dr. Fred? I'd better get him to the lab. Well, I got him in here, but he's out cold. Mais il a froid, donc voilà, on va le réchauffer simplement en le réveillant. Et pour le réveiller, il faut lui redonner de la caféine. Donc on va utiliser l'entonnoir avec lui, s'il n'a plus de tasse. Hop, là. Et le café avec l'entonnoir. Attention, là, il va péter la forme. J'adore vraiment les bruitages. Damn good coffee. Voilà. Donc maintenant, on va lui donner le contrat pour qu'il le signe. I got the contract for you to sign, doctor. Sorry, I don't like to sign things that I haven't read. Donc là maintenant il faut donner les bonnes réponses, je lui donnais directement les bonnes et si jamais vous avez envie de le faire, bah, écoutez un petit peu les autres dialogues, c'est vraiment très drôle. Ok, so read it first. I'm busy trying to think of a way to save humanity. I don't have time to read. Now leave me alone. Ah mince, puis c'est peut-être pas celle-là. Ok. Non, ok, hop, voilà. Will you please... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Will you please sign this contract? I don't sign things I haven't read. Oh, forget it. I'll get rid of Purple Tentacle myself. Oh, yeah? How? I guess I can't. Hey, did you join a record club lately? Good God, no! Those things are horrible money-leeching death traps! Well, there's a delivery man upstairs with a carton of easy listening 8-tracks for you. He says you have to pay for them unless you sign this refusal form immediately. Ah, not again! Donc en gros, il est en train de le laisser le faire avoir. Bon, si tu signes pas ce truc-là, il va falloir que tu payes des trucs, alors signe. Et donc le mec, il le signe. Voilà. Thanks! That was a close one. Well, good luck! Voilà, maintenant que le contrat est signé, il va falloir qu'on l'envoie dans le passé. Pour que bah, il soit en gros antidaté quoi. Et pour ça il va falloir qu'on l'utilise donc qu'on donne à Oggy que lui le poste. Mais tout d'abord il va falloir qu'on récupère un timbre parce que bien évidemment on peut pas envoyer quelque chose qui n'est pas timbré. Donc ça je vous rappelle que dans Maniac Mansion on avait fait exactement le même genre de truc, on avait dû utiliser un contrat, un timbre et une boîte aux lettres. Donc c'est très drôle. Donc pour récupérer le timbre, bah lui il a une collection de timbres ici, donc on va... On peut essayer de lui demander d'en prendre, mais il va pas vouloir, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire quelque chose qu'il faut pas. On va utiliser de l'encre avec ça, et du coup ça va faire péter une urite. Neat trick? Sure. Neat, huh? C'est cool, hein? Là tu sens que le mec s'est péter un peu. My pony express dam. You'll ruin my pony express dam. Not to mention 5 years of therapy. Get out of my room. Jeez, what a grump. He should really try to find some outlet for those... Bim, allez hop. Negative feelings. Voilà, et donc ici on peut prendre un timbre. Et le bon timbre. Bon, on est gentil, donc quand même l'autre il est très énervé. Hein. Donc on va quand même lui rendre son album de timbre.
Et comme c'est d'encre magique, voilà, elle n'est pas répugnée. Sometimes I do stupid stuff and I don't even know why. As if my body were being controlled by some demented, sadistic puppet master. Eh oui, c'est le joueur en fait. Puppet master. Master of Puppets, ça c'est une grosse référence à Metallica, pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je me barre. En fait, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'utiliser le timbre avec le contrat et de donner l'enveloppe, enfin le contrat, à Oggy. Et Oggy, lui, hop, faut qu'il aille dehors. Hop là. Et on utilise le contrat signé avec la boîte aux lettres. Ça c'est de la diligence en fait. Yes, what do you want? Hi there. Is this Dr. Fred Edison? Who did you think you called? Dr. Spock? Look, I don't have all day. This is Farley Crockett, LucasArts Games. I just discovered your contract among some very old files, and well, our lawyers say that we have to pay you $2 million in back royalties. for the use of your family in the Maniac Mansion video game. What? C'est vraiment le jeu dans le jeu, quoi. C'est vraiment. No, I heard that. Vraiment excellent. Moron. When do I get my money? Oh, right now. It's been credited to your Swiss bank account. Operator, get me a travel agent. This is an emergency. J'ai de l'argent, faut que je me casse tout de suite. Donc voilà. Juste pour rappel, je sais plus si je vous en avais parlé, mais normalement si on vient ici et que qu'on utilise l'ordinateur, voilà, dans la version originale du jeu, tant que, enfin, comme, jeepers, pas comment, pas donc ici c'est l'émulation avec SCUMVM, donc forcément ça marche pas, mais si on utilise le la vraie version CD sur un ordinateur qui est capable de le lire, là ça lance Maniac Mansion, donc c'est assez excellent. Donc voilà, maintenant que le Dr. Fred a du pognon, on va utiliser son compte en Suisse pour pouvoir commander le diamant. I don't think I can pick that up. Non. I'd rather not. Voilà. Hop. Et on va commander le diamant. Couch Potato Shopping Channel, Wanda speaking. I want to buy a diamond. That will be $2 million. Do you have a major credit card? I have a numbered Swiss bank account. What's the number, sir? It's 846-427-35327. Very good, sir. Je me demande we'll s'il n'y a pas une blague justement avec ce numéro, si on se fait taper sur un clavier. Delivery immediately. Thank you for calling. Peut-être LucasArts, un truc comme ça. C'est quoi? Now that's service. I better get this to Dr. Fred right away. That should do it. Where did you get this diamond anyway? It was donated by a group of Girl Scouts who were in the neighborhood. How heartwarming. According to my instruments, everything is in readiness. Your friends have activated their units, so it's time to throw the switch! Great! Et voilà le retour d'Oggy. Oggy! I'm so happy to... Et Laverne. Laverne! Laverne! Wow! I'm so glad you two made it back okay. I hate to interrupt, but there's no time to lose. Now that you're back, we've got to proceed with the original plan and send you back to yesterday to turn off the Sledge-O-Matic! Huh? Say what? Now hold on a minute, Dr. Fred. They just barely made it back to our time alive, and I think... Ha ha! You can't turn off the machine if I get there first. Voilà, donc lui, il revient quelques instants dans le passé. This time I know I can stop him. Uh-oh. I guess we better do something. Let's go. Let's go. No, wait! You can't all go in the same store!
Bah si. Didn't you see the fly? Donc là, on peut avoir peur sur ce qui va arriver. Et il y a de quoi, parce qu'attention. Oh my god. We're some kind of monster, dudes. Great. Stuck here the rest of my life listening to Bernard talking and watching Hoagie eat. Mom warned me there'd be days like this. Now wait just a minute. It's green tentacle. What was that green? What? I believe he's trying to warn you about me. Oh. We're going to turn off the sludge-o-matic and defeat your evil plan, overgrown worm. You sorry lot are no match for me. But there's three of us. Well, sort of. Kinda. Nevertheless, I mean to crush you. Yeah? You and what army? Why, this army, of course. Ça fait du peuple, là, quand même. Yikes. You see, I've been busy. These are all versions of myself from the future. I've been bringing them back here using the Chronojaw. Together, we conquer the world. Y'a plus personne, plus de version de lui dans le futur, du coup. Ouais, le mec, il s'est avancé de 10 secondes en 10 secondes et il a ramené... il a ramené plein de gens du futur. C'est justement un des paradoxes temporels. Je sais pas trop si c'est possible, quoi. Enfin, si le voyage dans le temps il est possible, est-ce que ça serait possible? Now, creature, I must decide what excruciating tortures to leave them to me. I've been itching for a chance to test out my newly completed diminuator. Uh-oh. Excuse me. Us. Voilà, donc là ils sont entrés. Voilà. Ils utilisent un diminuateur, un peu comme dans Jared Recibus, et du coup on devient tout petit. Right, mais vous allez voir qu'on va s'en servir. Next stop, the world. What do we do now? Whoa. It wears off. Aha. Run for it. Run for your life. Damn. The battery must not have had time to recharge, but it will. Voilà. Hop. Shh. Maybe he won't find us. Yoo-hoo! Where are you, human? Voilà, donc là je vais devoir faire quelque chose assez rapidement, donc je vais le faire et je vous expliquerai donc, tout de suite après pourquoi ce que j'ai fait. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû ouvrir la porte tant que j'étais grand. Donc c'est ça qu'il faut se dépêcher et faire ouvrir tout de suite la porte tant qu'on est grand. Et ensuite on se fait rapetisser, voilà, par la tentacule, ce qui nous permet de passer par le trou de souris de la porte et de pouvoir atteindre cette pièce. Et dans cette pièce, on peut prendre la boule de bowling. Voilà, donc on sent que c'est l'objet ultime, un peu la Master Sword du jeu. Voilà. Et donc là, on peut sortir. Hey, where'd he go? Ah, il n'est plus là. Donc maintenant qu'il est, en gros, c'est pas trop levé, on va descendre. Retourne au labo. Hop. Ouais, ça n'a pas fait chier faire une animation. Et on va utiliser la boule de bowling
sur les tentacules. En plus, ça sort rangé comme il faut, vous voyez, comme au wing. 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ça fait 10 en tout, quoi. Et bim! Great! Now we can turn off the machine and prevent all this tentacle mayhem from ever happening. Well, I'm certainly glad that's over with. Yeah, let's get out of here. Leaving so soon? We haven't had the chance to get to know one another. You humans are so short-sighted. Eek! Eek! Run all you like, you insignificant insect. My other selves are taking over the world as we speak. Ah, donc le dernier truc à faire qu'on a dans le jeu, c'est le convaincre en gros de que le responsable c'est le docteur Fred. Donc on va lui demander pourquoi il fait tout ça. Just what is it you have against humans anyway? Humans are our oppressors. They made us live in this horrible motel. They created us in ungainly forms, so we could not rise against them. Try walking around with your legs tied together and glue on your shoes, you'll see what I mean. Voilà, donc en gros, il accuse les humains de les avoir créés lesquels, alors qu'en fait, c'est pas vraiment les humains, c'est juste le Dr. Fred. Quoi. Sounds like that's all Dr. Fred's fault, really. Hmm, I suppose you're right about that. I didn't start out hating all humans, just Dr. Fred. Donc là, on va un petit peu le complimenter. You're pretty handy with that ray gun. Center of the forehead every time. Would you like a demonstration? Et donc voilà, encore Why une fois. Why don't you zap Dr. Fred if you hate him so much? Hmm, perhaps that would Tout ça pourquoi? Parce que Dr. Fred, il porte des lunettes et du coup, le rayon... réfléchit. Oh, rat. Et voilà. Surely we can talk this out. Yeah, funny little Talk? Surely. C'est sûr, on peut négocier. Voilà. Hop là. Wait. You haven't heard the last of me. I'll be back, and the next time, the world and all its piffling inhabitants shall be mine, all mine. Okay, little fella, mail this to Siberia. Donc là, je pense qu'il y a une référence, hein, mais je l'ai pas. Et voilà, donc on a désactivé la pollution de la rivière. Là, c'est donc le tentacule pourfre ne boira pas ça et ne se fera jamais pousser des bras et du coup ne dominera jamais la planète. Donc je vous laisse apprécier l'épilogue. It's been more fun than a jumpsuit full of weasels. Now, kindly get your freakish hide out of my home. Please, Dr. Fred, you've got to get us out of this mess. We look terrible, and we can't buy clothes off the rack. I'm getting sort of used to it. Maybe we could go on the talk show circuit. Help us, Dr. Edison. You're our only hope. Oh, all right. Idiots! It seems you're not exactly the sideshow attraction you imagined. You're just three complete goofballs stuck in one suit of clothes. Et monde de boulet.
Well, I'm glad that's taken care of. Looks like everything's back to normal. Presque. Et parce qu'on a, on n'a pas remis en gros le drapeau américain tel qu'il était. Donc il est toujours comme ça dans le futur. Voilà, donc le jeu est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi ce let's play. Juste avant de vous quitter, je vais faire un petit point. Donc déjà penser ce que j'ai. Enfin, pardon, dire ce que j'ai pensé de ce jeu. Simplement excellent, voilà, c'est la suite directe de Maniac Mansion. Pour moi il est encore meilleur que Maniac Mansion. Voilà. Donc j'espère que si vous. Enfin si vous ne le connaissiez pas, j'espère que vous avez apprécié ce let's play et que ça vous a donné envie d'y jouer. Je vous engage toujours autant à faire les jeux LucasArts de l'époque, les point and click, juste excellent. Et à savoir que donc Tim Schafer et Ron Gilbert, donc ils sont deux têtes pensantes des jeux LucasArts de l'époque. Notamment Tim Schafer sur Full Throttle et Ron Gilbert sur la saga des Monkey Island. Donc là récemment ont ouvert ont proposé l'idée aux internautes de financer leur prochain projet qui sera justement un point and click à la sauce Lucas. À savoir qu'ils avaient besoin de 400 000 dollars et qu'ils ont réuni cette somme du coup grâce aux internautes en 8 heures. Voilà, donc et là au bout de 24 heures ils étaient à 1 million 2, je sais pas exactement à combien ils en sont maintenant. Mais c'est assez assez affolant. Sinon, maintenant je vais aussi répondre à quelques commentaires que j'ai eu sur ma chaîne. Donc d'abord à Rexar27 qui me demande si je ferais des let's play en découverte totale. Oui, pourquoi pas. Juste que je suis pas certain que ça soit très très agréable de voir quelqu'un en train de galérer, mais à la limite pourquoi pas. Et qu'il y a quand même pas mal d'autres jeux LucasArts que j'ai pas encore fait. Donc ouais, voilà, pourquoi pas. Qui me demande aussi comment je fais pour record. Donc j'utilise Camtasia. Parce que ouais, c'est pas. On peut pas record Fraps avec Fraps. On peut pas record donc ScanVM avec Fraps tout simplement parce que ça n'utilise pas DirectX. Et que je crois que Fraps fonctionne comme ça, il enregistre DirectX. Donc voilà, voilà aussi pourquoi on est obligé d'utiliser ScanVM et pas on peut pas le lancer de manière classique sous Windows. Sinon je remercie aussi c'est la première fois que je fais ça, mais bon en lutte quand même. Je remercie juste son pseudo la Link Mastery pour s'être abonné à ma chaîne et m'avoir laissé tout plein de commentaires. Ça a égayé ma journée du 11 février. Ouais, parce que toute la journée je voyais les commentaires qui arrivaient. C'était très cool. Je remercie aussi SC2Decibel de s'être abonné. Ouais, parce que je vois le mail maintenant. Donc voilà, je remercie beaucoup. Que dire de plus? Mon prochain let's play, ça sera peut-être le week-end prochain. Normalement, j'aurai le temps de tourner un épisode, donc peut-être le week-end prochain. Ça sera probablement sur The Dig. C'est encore un jeu que je connais, donc normalement, ça devrait aller. Mais je suis pas certain que ça sera celui-là. Ça sera peut-être Myst ou comme ça. Voilà. Je vous engage toujours autant à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre le forum let's-play.fr si vous voulez retrouver d'autres let's players tout aussi compétents et même, je pense, plus compétent que moi, en tout cas pour certains, pardon pour cette, voilà, donc sur ce forum, donc let's-play.fr, c'est tenu par Yriusa, donc il y a aussi un let's player français, donc voilà, bref, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce let's play, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne année, je sais pas si je vous l'ai dit encore, on est quand même mi-février maintenant, mais enfin bref, voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, à ciao, plus, bye bye.